bien câblé, parce que je reçois pour vous un trio. Un trio, pas un trio d'artistes chanteurs. Pour cette fois, nous avons cassé le rythme. Au premier numéro, vous avez eu Osiris. Après lui, on a parlé de l'hypatitude. Aujourd'hui, nous parlons danse. On va parler, bien sûr, danse avec mes invités pour le compte de ce troisième numéro de la capsule de Nietzsche. Je reçois pour vous des étoiles. Des étoiles pas comme les autres. 5 étoiles, oui, c'est leur nom au départ. Je ne sais pas, aujourd'hui, ils sont au nombre de 3. Je ne sais pas si on maintient toujours les 5 étoiles. Ils vont nous dire beaucoup plus sur le nom de scène tout à l'heure. Je reçois pour vous, oui, pour le compte de ce troisième numéro, des personnes qui savent esquisser des pas de danse. Tout à l'heure, vous aurez pourquoi pas des démos également pour voir de quoi est-ce qu'ils sont capables. Vous avez certainement déjà vu des vidéos de ces 3 jeunes talentueux de la scène ici dans le Septentrion et pourquoi pas même au-delà, parce que moi je sais pertinemment que vous les avez déjà vus sur 1, 2 ou 3 vidéos. Vous allez les découvrir ou les redécouvrir sur la capsule de Nietzsche, les 5 étoiles, Djibouille la machine. Les autres vont certainement se présenter. On va tourner la caméra sur celui qui est à ma droite. Djibouille, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nietzsche. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien, très bien. Super bien. Très bien, j'ai peut-être la faute. D'accord, c'est la première fois sur la capsule de Nietzsche. C'est une émission télé, comme tu peux bien le constater. C'est vrai, toi et moi, on a discuté de plusieurs rendez-vous comme ça pour passer à la radio et tout, mais à la radio, ça n'a pas encore donné ce que nous voulons. Mais j'ai bien voulu que vous soyez là, toi et ton équipe, d'accord, puisque désormais, c'est en image, c'est tout en image. J'ai bien voulu que vous soyez là pour nous dire vos débuts, votre actualité, pourquoi pas vos projets dans le monde de la danse. Comment est-ce que, déjà, la danse se porte? On va revenir sur les autres membres du groupe. Comment est-ce que la danse se porte dans le Septentrion, en particulier à Parakou? Merci, Nietzsche. Merci pour cette occasion. Voilà, et c'est le groupe 5 étoiles. Oui. Moi, c'est Djibouille la machine. Oui. Quand on parle de la danse dans la Septentrion, excusez-moi. Dans le Nord, c'est un peu compliqué, en fait. C'est très compliqué. Quand on parle de la danse moderne, puisque nous, on est basé sur la danse moderne. Plus sur la danse moderne. Ok. Voilà. On est basé plus sur la danse moderne. Donc, c'est un peu difficile. Comme c'est le Nord, il y a des gens qui prennent ça comme de la délinquance. Ok. Et tout. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais nous, en particulier, nous, on a apporté quelque chose de nouveau pour que les gens puissent voir ce qu'on fait de bien, de bon. Donc ça fait que par exemple, quand on va en presse quelque part, on danse quelque part, et les parents, les enfants, tout âge confondu quoi. Donc on n'a pas de spécialité de personne qui s'intéresse à nous. Okay. Donc ce qu'on apporte, c'est différent des autres danseurs. Voilà, c'est différent des autres danseurs. On apporte, comment dirais-je, de la comédie dedans, fait de la comédie musicale. On va y revenir. Tu parlais tout à l'heure de, on voit la chose la chose chorégraphique comme de la délinquance et tout. Je rappelle que toi, tu as quand même suivi des études. Parlons de ton parcours. Oui, effectivement, j'ai étudié. J'ai eu ma licence professionnelle en gestion d'entreprise à l'UIT à Parakou ici. D'accord. Oui, et en 2020, j'ai soutenu. Voilà. C'est en 2017 que je suis venu à Parakou. Donc, j'étais pas à Parakou. Ok. Et de 2017 à 2018, on s'est vu. Et puis, on a créé le groupe 5 étoiles. Et ben voilà. D'accord. 5 étoiles, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'au départ, vous étiez 5? 5 étoiles, bon, c'est pas ce que les gens pensent. Quand on dit 5 étoiles, les gens s'attendent à ce qu'on soit 5, oui. 5 personnes. Hein. 5 étoiles, c'est le nom. C'est le nom. Comprend, et par exemple, un hôtel. Oui. Il y a des hôtels 5 étoiles. Oui, exactement. Voilà. Il peut avoir un artiste 5 étoiles. Ok. Un seul artiste chanteur 5 étoiles. Non, le nom du groupe, c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe qui est 5 étoiles. D'accord. Même si au début, on était 5. On était au nombre de 5. Alors, il y avait plus que ça. On était même plus que ça. Plus que 5. Oui. Ok. Mais c'était 5 étoiles. Ok. Voilà.
D'accord. Donc c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, c'est pas le nom de la personne dans le groupe. Qui est-ce qui a eu l'idée du nom au départ? C'est évidemment que c'est moi. Donc ça voudrait dire que c'est vous qui a créé le groupe. Est-ce que c'est ça? Oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, quand vous jetez un œil, vous jetez un coup d'œil sur vos débuts, à aujourd'hui, vous avez réellement fait des avancées? Ah, c'est la première des phrases, c'est merci, c'est le nous. Si on n'est pas encore arrivé à nos objectifs, c'est merci, c'est nous. C'est merci, tu. Là, on est actuellement, c'est vraiment, c'est encore peu, hein. Merci beaucoup. D'accord. C'est vraiment. Comme projet, 6 ans derrière. Oui. Ah là là, avancer. Pourquoi avancer, nous? D'accord. D'accord. Ça voudra dire. C'est-à-dire que même on était dans autre pays, oui. Le Bénin, on ne sort même pas là, actuellement. Okay. Sincèrement pas. D'accord. Mais déjà, vous êtes suivi au-delà des frontières béninoises. Ne me donne pas, même en Amérique. Ok, d'accord. Comment est-ce que. Un peu partout. Oui, moi je le sais, parce que récemment il y a un artiste international, je crois que ça va être un Ivoirien, qui vous a tagué, vous avez dansé sur. Un de ces morceaux, je ne sais pas trop, c'est Serge Benoît, c'est qui, je ne me rappelle plus trop. Mais je sais quand même qu'il y a vos vidéos qui vont très loin. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez affirmer qu'avec la danse, on peut subvenir un tant soit peu à ses besoins, on peut s'affirmer, on peut se dire oui, aujourd'hui j'ai réussi ma vie avec la danse. Qui répond? C'est une très belle question, voilà. Et ce que les gens ne se posent pas, c'est la question. Ils prennent d'abord la danse comme de la délinquance. Oui. Donc, ils ne cherchent pas à savoir si, avec la danse, on peut subvenir à sa vie. Or, par exemple, moi je dirais, d'abord si je danse, c'est grâce à mon père. C'est grâce à mon père. Et je vais faire un big off, merci papa, merci pour tout. Voilà, c'est grâce à lui. Bien frère, on étudie. Tous on a étudié, on a des diplômes. Oui. On a des diplômes. Donc, et la danse, on a pris ça comme une passion. Et au fur et à mesure qu'on allait, on a vu que ça nous a apporté de l'argent. Ça nous a apporté. On a eu assez l'occasion pour beaucoup d'opportunités avec la danse. Aujourd'hui, moi je dirais qu'on peut réaliser ses rêves avec la danse. On peut se souvenir à ses besoins avec la danse. Par exemple, on prend les danseurs de l'extérieur à l'extérieur. Oui. On prend comment dirais-je, ordinateur, oui. Les en hausse, oui. On prend. Le Marcel est tout près là, c'est pas la danse qui a commencé. Depuis, c'est pas la danse qui a commencé. Les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ça paye bien. Allez, sérieux, ça paye bien. Le problème ici au Bénin, c'est que on ne prend pas la danse, on donne comme un pilier pour l'évolution des jeunes. Voilà, et ça fait que les parents, l'État, quand ils voient que la danse. On minimise la danse. On minimise la danse en quelque sorte. Pourtant, vous jouez un rôle assez crucial dans ce showbiz. Ici, dans le Septentrion, on vous a vu. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de concert. Je prends ça comme ça, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de grande scène sans vous. Par moment, il faut quand même avoir des intermèdes au cours d'un concert. Il faut marquer des pauses. Et c'est en cela que je parle de votre rôle important dans ce showbiz-là. Moi, je vous ai vu sur de grandes scènes ici à Parakou où on marque une pause, on vous invite sur scène, vous venez vous émerveillez le public. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend le cas de Parakou, il n'y a pas quand même ce côté reconnaissant pour les danseurs? Est-ce qu'on ne reconnaît pas, d'accord, la place des danseurs ici à Parakou? Je vais laisser Serge Café Cacao répondre à cette question. Est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Parakou, on a quand même fait l'effort de reconnaître la place des danseurs dans le monde du showbiz? Parce que vous jouez quand même un rôle assez important. D'abord, merci pour la question. Oui. Je vais dire oui et après, non. Parce que nous, les danseurs, on force. Ok. À Parakou, ici, on le considère. On ne prend pas tous les danseurs en considération, en fait. Ok. Donc, on force pour pouvoir trouver des spectacles et autres. Ok. Donc, et non, parce que eux-mêmes, des fois, ils ne s'accordent même pas de vous pour demander
si vous avez besoin de telle chose, on peut vous mettre sur tel événement. Okay. Tant qu'ils sont là, c'est pour te dire, et on va vous inviter, on va vous gérer la boisson, on va vous gérer des trucs comme ça. Okay. Donc là, c'est pas encore un truc spécial pour le danseur. On ne vous invite pas de façon directe, directe. Ouais. Okay. Donc, c'est pourquoi il dit oui et il dit encore non. D'accord. Djibouye, vous forcez, il parle de forcing. Vous forcez comment? Est-ce que c'est vous qui allez vers les organisateurs du spectacle pour dire « On a appris que vous avez un spectacle, s'il vous plaît, pardonnez, mettez-nous sur votre spectacle. » Est-ce que c'est ça? Oui, au départ. Ok. Au départ. Au début, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi on est un peu reconnu par rapport à ces commissaires? On va commencer par là d'abord. Ok. On va chauffer la cuisine. On va demande les prestations. Et en retour, ils nous disent le seul mot qui nous offre, on ne comprend pas. Ça nous choquait, mais malgré ça, on continuait pas à travailler. On continuait. On a commencé petitement à les maquiller et autres. Les petits maquillés autres. Donc c'est par là. Ah, ils nous voient, on a un. Et là, ils ont commencé par me contacter. Ok. On a la prestation, on payait les dettes, on payait 3 000, 5 000. Et votre cachet est monté à combien aujourd'hui, on est à. Ah, non. Ouais, bon, une estimation. On va estimer. Oui, à peu près. Il n'y en a pas d'estimation. À peu près. Oui, pour permettre quand même aux téléspectateurs d'avoir quand même une idée. Si entre temps, j'ai envie d'inviter les 5 étoiles à mon événement, il faut que je commence à me préparer. À ce que je fais, tu sais déjà de quoi ils sont capables. Mm-hmm. Tu sais ce qu'il faut. Alors. D'accord. À Nibos, on va gérer ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Il ne veut pas donner de la cachée à Nibos. D'accord. Est-ce que vous avez, pourquoi pas, pour idée de vous produire encore une fois? Parce que depuis ce temps, moi je ne vous ai pas encore vu en train d'organiser un spectacle propre à vous. Ça voudra certainement dire que vous êtes en train de vous préparer, pourquoi pas? Oui, effectivement, on s'est filmé tout et tout. Oui. On a des projets. En ce qui concerne le projet de cette année, oui. Normalement, si tout va bien, d'ici décembre, on aimerait organiser un propre spectacle, grand chien spectacle. D'accord. Chien spectacle. D'ici décembre. Oui, c'était approuvé avec notre ex-manager. Oui. Comme on est ensemble. Mm-hmm. Tout ça, c'est comme ça. Mais quand même, on verra. On projette cela quand même. D'accord. Et avant ça, on aimait aussi quitter par un coup, retourner et aller dans le pays voisin. Ok. Pour faire connaître encore un peu. Ok. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous voulez partir comme ça, sur fond propre, ou est-ce que vous avez quelqu'un qui vous sponsorise, qui a décidé de vous accompagner, de payer les billets d'avion, de vous envoyer à l'extérieur, histoire de pouvoir vous produire de l'autre côté? Pour l'instant, on dirait que c'est sur fond propre. Ok. Vous voulez juste faire une expérience nouvelle? Avec le temps, si l'occasion se présente, puisque déjà, la vidéo commence par porter le feu. Ok. On a commencé autre style. Ok. Parce que chaque jour qu'on se lève, on cherche. On veut prouver au monde entier que c'est pas ce qu'ils croient. Ceux qui disent que la danse, c'est de la vie. On veut leur prouver qu'avec la danse, on peut tout faire. Et voilà, donc, nos vidéos sur les réseaux sociaux, plus voilà, c'est encore des projets, donc au maximum, de tout faire pour être vraiment crédible sur les réseaux sociaux. Vous êtes à combien d'abonnés déjà sur TikTok Sur TikTok, on a commencé, ça ne fait pas encore un mois, on a rien du tout. Pourquoi? Oui, TikTok, on a repris TikTok. Ok. Au début, bon, c'était comme ça. Maintenant, comme on a véritablement commencé, on s'est concentré sur les réseaux sociaux. Puis avant, c'est pas totalement concentré sur les réseaux sociaux. Oui. Maintenant, comme les réseaux donnent aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. On a repris le travail sur les réseaux sociaux. Et actuellement, on est à 16 000 abonnés.
Ok. On a commencé ça, on ne peut pas encore. On a eu les 16 000 en 3 semaines. Wow. Et vraiment, c'est pas facile d'arriver à l'arrivée. C'est pas très facile. D'accord. Ok. D'accord. Vous êtes sur d'autres réseaux, à part TikTok? Facebook. Ok. Comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux? Bon, avec @ danseuse 5 étoiles. Ok. Ça c'est sur, sur quel réseau ou n'importe quel réseau? N'importe quel. Ok. Ça sort. Ça sort. D'accord. Tout à l'heure, vous allez nous faire une démo, d'accord, sur une chanson de votre choix, il n'y a pas de souci. On va marquer une pause et on revient. Retour plateau, chers téléspectateurs de Fraternité FM TV, merci de maintenir vos positions. Oui, vous êtes sur la capsule de Nietzsche. Je reçois pour vous, comme vous avez bien su le constater depuis le début de cette émission, des danseurs. C'est les 5 étoiles. Ils ne sont plus à présenter. Vous les avez certainement vus sur une scène. Pourquoi pas sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, dernier virage de cette émission. Diego et la machine, café cacao, et le troisième, dont j'ai oublié le nom. Navigator, voilà. Tout à l'heure, vous allez nous faire une démonstration sur une chanson de votre choix, je vous le disais. Mais avant, quels sont, je veux dire, quel est votre mot de la fin? Quel est votre appel à l'endroit de ces personnes-là, ces jeunes-là, qui ont envie de danser, mais qui hésitent toujours à cause du regard des uns et des autres, à cause de ce que nous avons déjà comme idéologie depuis le début, à cause de cette étiquette que nous avons collée à la chose chorégraphique ici dans le Saint-Antonio, pourquoi pas dans le Bénin. Qu'est-ce que vous aurez à dire à ces jeunes-là qui ont envie de faire comme vous? Tout d'abord, tout commence avec la confiance. La confiance en soi, la passion aussi. Et aussi, il faut voir le côté des parents. Si ils te disent qu'ils ont, ils ont peur de danser, ils ont envie de danser, mais ils n'ont pas l'occasion, ils le font en cachette. D'autres, c'est à cause de leurs parents. Et puis, sur les parents, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'étiquette, la danse, c'est de la délinquance. Donc, Dieu merci, nous. Et quand on danse, les parents voient que c'est pas ce que tu disais. Est-ce que quelque part, c'est pas parce que toi, tu as quand même pris tes études au sérieux? Mais quand je danse sur scène, le parent ne s'est pas collé là. Il a la licence. La licence, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Au contraire, on a des trucs. Oui. Voilà. Mm-hmm. Donc, mais malgré ça, il voit que c'est ce qu'on rend, en fait. Ok. C'est ce qu'on rend. On vit, on commence jusqu'à la fin. Et puis, voilà. Il y a des parents qui disent, mais eux, ils veulent apprendre à danser. Des grandes personnes, des vieilles, des vieux, des enfants, qui veulent qu'on les appelle à danser. Okay. On donne envie à danser aux gens. Ça, le rôle qu'on fait, c'est une chose qui se fait. Et pour ces jeunes, je dirais de garder espoir, de se donner à fond, d'avoir confiance en eux, de faire tout pour gagner aussi la confiance de ces parents-là qui hésitent à les encourager. Et aussi, il faut travailler. Et bon, quand je dis de travail, c'est pas seulement l'école. Tu peux travailler. Et le boulot, et tout et tout. Ce que tu fais, en fait. Parce que les parents, ils disent. J'ai remarqué que ici, les parents, ils disent si tu travailles pas, je te donne pas la possibilité de faire autre chose. À l'école, au boulot, tout ça. Donc, tu peux tout profiter par là.
peut profiter par là. Pourquoi pas faire des millions par là pour pouvoir avoir une dirige. Et aussi, il faut prouver par an que la danse, c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà. Okay. Les gens aiment danser, sincèrement, les vieux, les enfants. Hein. J'aime danser au aussi. Mais l'idée, quand on se met dans la tête, ça que... C'est ça qui fait que ça freine toujours l'évolution aussi, de la danse. Et aussi, on voit que les danseurs ne sont pas pris au sérieux. Pas les promoteurs, j'appelle les promoteurs déjà. Mm-hmm. Les promoteurs d'artistes, ça et autres. Les managers et autres. Les danseurs, ils ne les prennent pas au sérieux. Ils ne les prennent pas au sérieux. À part ici. Sincèrement, il y a assez de danseurs. Mais. On est négligé. Voilà. On est négligé. Il y a des spectacles où on devait être. On ne nous appelle pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est de l'hypocrisie ou c'est à cause du cachet ou je ne sais pas. Je ne sais pas sincèrement. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays. C'est que quand il y a un spectacle, il y a on vous écarte. Voilà. On vous écarte. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nous? On dit rien. Des fois, même tu poses ta vidéo, tu identifies certaines personnes, certains promoteurs, qui partagent des trop frais, ils viennent. D'autres prennent le temps de regarder, d'autres prennent le temps de réagir, d'autres ne réagissent pas. Après, ils vont te dire vous êtes bon. On voit, tu sais la main, puis vous êtes bon, mais il ne faut pas vous soutenir. Ils ne vous accompagnent pas. Ils ne vous soutiennent pas. Je suis sûr que les promoteurs d'événements, les managers d'artistes, les promoteurs de labels et tout ça ont certainement écouté le cri de cœur de Diego et la machine tout à l'heure sur une question assez importante. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin aussi d'être inclus dans la chose du showbiz ici à Barakou. Faites donc quelque chose pour accompagner la chose chorégraphique, accompagner nos danseurs au plan local, au plan national, pour qu'ils puissent quand même faire rayonner le drapeau béninois au plan international. Café Cacao, mot de la fin. Merci, bon, je tiens à remercier tous ceux-là qui nous donnent la force. Oui. Et tous ceux-là qui font aussi des plus d'hypocrisie, ceux qui ne veulent pas partager, ils font la... qui reste là, ils verront. Ah, merci à eux quand même. Oui. Et je remercie aussi mon papa pour tout la force et la confiance qu'il a en moi. D'accord. Allez, navigateur. Oui. Mm-hmm. Bon, je veux dire merci à tout le monde. Oui. Tous ceux qui nous soutiennent. Oui. Je ne vais pas ajouter un mot de fin, mais je n'ai pas dit le mot du début. Oui. Mais c'est vraiment lié à tout dire, c'est vrai, c'est très important. Il est bien drôle, lui. Bon, je remercie tout le monde quand même. Mm-hmm. Et ceux qui font ça, moi aussi, de nous aider. Parce que, à part aussi, effectivement, comme je dis, ça ne nous valorise pas. Ça ne nous valorise pas tout. Mais c'est quand je veux ça va aller. Et au moment où ça va aller, ils viendront dire c'est pas la couille dingue. Allez, merci beaucoup, navigateur. Ce fut un réel plaisir, en tout cas, pour moi de. Merci, Sam. Merci à vous, merci à l'émission, à Fraternité TV. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites pour cet entraînement. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes également. C'est très bien. On va prendre le rendez-vous sur la radio, pourquoi pas d'ici là. Allez, c'est donc fini pour la capsule, troisième numéro pour le compte de cette émission-là. Oui, c'est le troisième numéro, c'est donc fini pour la capsule de Nietzsche. Nous étions avec les 5 étoiles. Avant de finir, voici la démo de fin d'émission. On va se donner rendez-vous pour le quatrième numéro samedi prochain d'ici là. Portez-vous bien, bye bye. Un grand monde de moi. Regardez-moi.